Pourquoi tu veux l'enlever du terrain, Mbappé? Justement, donc on respecte un joueur qui est en fin de contrat, comme Klopp, il est en fin de contrat, on respecte. Sinon, il fallait négocier avant. Chose qui n'ont pas été faites par le Qatar. Aujourd'hui, on devrait dire on a eu la chance d'avoir le meilleur joueur du monde avec nous. Finissons bien ensemble. Sauf que c'est moi, je pense à tous les enfants. On était du match à 13h dimanche, pas ce qui avait envie de voir Mbappé. Alors, je dis pas que. Mais même à l'extérieur. Penser à ça. Même à l'extérieur, tu as raison. On est privé de Mbappé. J'étais à Nantes, il est remplaçant. À part l'entraîneur adverse et peut-être un peu les joueurs de Nantes, ils ont les boules de ne pas le voir jouer. Ils ont envie de le voir jouer. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'en Ligue des Champions, on l'a vu, c'est la superstar. Mais en Ligue 1, et donc il va falloir s'y habituer tous les week-ends. Il est géré comme Vitinha, comme Dembélé, comme tous les autres. Mais sans lui, il ne gagne pas les matchs. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas battu Reims. Et Haaland, il est géré comment, Haaland? C'est la réalité du PSG aujourd'hui, ce n'est pas la réalité des autres grandes stars. Mais tu n'es pas dans la réalité sportive, là. Non, parce que ça fait 3 nuls consécutifs en Ligue 1, des matchs qui ne jouent pas complètement. Il faut l'oublier. Bah oui, mais enfin, vous avez gagné les matchs quand même. Et puis Mbappé, il a mis le jouer. Moi, je me mets à la place d'Mbappé. On a tous été joueurs. Enfin, presque tous. On a quand même envie de jouer. Non, mais on a envie de jouer. Mika, quand tu étais gardien, on te disait, tu vas pas jouer en coupe ou tu vas pas jouer. Quand tu fais la gueule. En général, tu fais la gueule. Bon, allez, il faut qu'on avance. Non, mais ça, c'est juste une question, encore une fois, de communication. Et moi, je pense que la communication entre les deux, elle est là. Sinon, ça ne se passerait pas comme ça. Enfin, pour revenir à la Ligue des Champions... En tous les cas, s'il n'a que 3 mois à jouer ou 2 mois à jouer, on a envie de le voir jouer. Bah, on va avoir la Coupe de France mercredi, et puis Ligue des Champions, si ça continue, ça va continuer au tour prochain, en tout cas, au minimum. 3 adversaires potentiels, le Bayern, le Real, City. Les 4 autres potentiels, on les connaîtra mardi et mercredi, notez-les, hein, Canal Plus Foot, mardi, Barça-Naples, avec le résumé d'Arsenal, Porto, mercredi, Atlético-Inter. 2 belles soirées de Ligue des Champions, et le tirage au sort, là aussi, 11h50 vendredi sur Canal pour connaître l'adversaire des champions de France. Tout le monde pense qu'il faut éviter surtout City. Tiens, il y a une statistique sur les vainqueurs potentiels de la Ligue des Champions. C'est City le grand favori. Oui, ce sont les probabilités de qualification en fonction de plein d'éléments. Alors ça évolue en fonction des tirages au sort, des victoires des uns et des autres. Et c'est logiquement Manchester City qui est favori cette saison dans la lignée de sa saison dernière avec 30,5%. Paris est actuellement quatrième. Est-ce que le Real, depuis une vingtaine d'années, est-ce qu'il y en a 2 qui ont gagné d'affilée? Oui, il y a eu le Real deux fois. Oui, 3 fois. Le Real 3 fois, mais sinon, depuis Milan, fin des années 80-90, il n'y a que le Real qui l'a fait. Il n'y a que le Real qui l'a fait, donc ce n'est pas si évident que ça de la gagner 2 fois. Ça, c'est clair. Même la gagner 1 fois, ce n'est pas évident. Tout le monde le sait. Est-ce que Lucien Riquet gère bien Kylian Mbappé? C'est la question qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Lucien Riquet, on va parler de Kylian Mbappé, on va également parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion, donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes sur le contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que tu penses sérieusement que Lucien Riquet gère bien Kylian Mbappé? Parce que face à Rennes, il est sorti en cours de match. Face à Monaco, il est sorti en mi-temps. Et face à Reims, il n'a pas débuté, il est entré en cours de match. Est-ce que tu penses que Lucien Riquet gère bien Kylian Mbappé? Je rappelle que avant que Kylian Mbappé n'annonce qu'il devait quitter le PSG, il jouait tous les matchs, ou presque. Il jouait tous les matchs. Et tout d'un coup, lorsqu'il annonce, Lucien Riquet commence à être bizarre avec lui. Lucien Riquet commence à le manager différemment. Est-ce que ce management-là paie ses fruits? Est-ce que ça porte ses fruits? Est-ce que ça porte vraiment ses fruits, les amis? Moi, je pense que pour l'instant, ça porte ses fruits. Certes, le PSG n'a pas battu Reims. Kylian est entré en seconde période. Il n'a pas marqué. Ils ont fait 2 buts partout. Le PSG a enchaîné son 3e match consécutif en Ligue 1. Kylian n'a pas marqué. Mais je trouve que la gestion de Lucien Riquet envers Kylian Mbappé, moi, je trouve que il gère bien Kylian parce qu'il concerne tout le monde. Lucien Riquet concerne tout le monde dans son effectif. Lucien Riquet concerne tout le monde. Tout le monde est concerné dans son effectif. Tout le monde, Lee Kangin joue, même les Carlos Soler jouent. Carlos Soler, les amis, ils jouent. Carlos Soler joue. Ça montre à quel point Lucien Riquet fait largement tourner. Il fait tourner son effectif. Et pour moi, c'est bien. Pourquoi Guardiola remporte tous les trophées ou presque chaque saison? Parce que
il concerne tout le monde dans son effectif. Une saison, c'est très très longue, les amis. La saison est très 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 longue. Et pour faire une très belle saison, tu dois mettre tout le monde dans le projet. Tu dois concerner tout le monde dans le projet. Et c'est ça que Luis Enrique est en train de faire justement. Il est en train de concerner tout le monde dans le projet. C'est pour ça que ce PSG, les amis, ils ont les frais en LDC. Regardez comment ils ont joué face à la Real Sociedad. En LDC, le PSG allait d'être frais. Regardez comment ils ont battu la Real Sociedad, les gars. Ils ont étrié. La Real Sociedad, ils n'ont pas existé. C'est... La Real Sociedad, ils sont moins bien actuellement, mais il faut juste souligner le bon travail de Luis Enrique parce qu'il y a des équipes en Ligue 1 qui sont pourries, mais qui réussissent quand même à bousculer le PSG. Mais en RDC, ce PSG-là fait quand même des matchs sérieux parce que Luis Enrique concerne tout le monde. Luis Enrique concerne tout le monde. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de sa part et tout. C'est très intéressant de la part de Luis Enrique. C'est un entraîneur chevronné, c'est un entraîneur qui a remporté la LDC avec le Barça de Neymar, le Barça de Messi, le Barça de Luis Suarez. C'est un entraîneur qui sait gérer les stars, c'est un entraîneur... Bref, son palmarès parle pour lui. C'est pour ça que lorsque il décide de faire sortir Kylian Mbappé ou alors il décide de faire commencer Kylian sur le banc, moi, je fais confiance en Luis Enrique. Je lui fais confiance parce que c'est un entraîneur qui a de l'expérience, qui a un gros vécu, qui a des qualités. Tous les entraîneurs, même Carlo Ancelotti, regardez, Ancelotti fait beaucoup tourner. Il fait beaucoup tourner. Tantôt, il met Luka Modric titulaire. Tantôt, il met les Kamavinga défenseurs et tout, les Tchouaméni défenseurs. Toni Kroos, tantôt, il débute sur le banc. Carlo Ancelotti fait beaucoup tourner. C'est comme ça. Parce que les grands clubs, généralement, jouent sur tous les tableaux. Les grands clubs jouent dans tous les tableaux. Et lorsque tu joues dans tous les tableaux, tu dois faire tourner. Tu dois faire tourner ton effectif. C'est normal. Donc, Luis Enrique, moi, je trouve qu'il manageait bien Kylian Mbappé. Kylian voulait jouer tous les matchs, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que tu dois aussi laisser la place aux autres. Tu dois aussi laisser la place pour qu'on teste d'autres schémas tactiques. C'est très important. Ça permet non seulement de varier son jeu, parce que lorsque tu testes les schémas tactiques, ça te permet de découvrir les schémas les plus adéquats avec les jeux que tu as. Et ça permet aussi de faire tourner ton effectif, ça permet de concerner tout le monde dans le projet. Donc, pour moi, c'est vraiment une très belle idée de Luis Enrique. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.